Hello, coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de IndyCar. Alors, nous reprenons forcément là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir juste après s'être enfui. On est accompagné d'un mystérieux personnage blessé au niveau du bras gauche. Et à partir de là, que va-t-il se passer? Où c'est qu'on va? D'accord. Why are you rushing so much? Sorry. We're doing no more than 5 verses an hour, though. Whoa. How do you understand it, huh? Is he talking about the word versed, or how to start an engine? I grew up in a bike shop. My father sold them. In Spasov? Why in Spasov? No, in Gorodishchi. I've never been to Spasov. That's where I grew up. The man's logic is flawless. Are you embarrassed to be so close to a man? She's been waiting for that. He's quite a looker, huh? Thick boy. I must smell awful. You know, they kept us in the train for 3 days. Oh, don't worry. She likes it. Oh! Pardon. Come on, grab her tits. Hey! Stop pretending. He's just like the men you imagine in your room when you're... Enough! All right, calm down. Is he a bandit or a sissy? Hold on to your seat, for God's sake. Le mec doit la trouver bien chelou à parler toute seule. Hey. Indica, viens voir ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, je peux être tranquille. Et tu crois pas que t'as un peu trop bu pour conduire? Allez, si tu y arrives la première, l'une d'entre elles est à toi. Comment elle fonctionne? Gâchette droite, accélérateur, stick analogique gauche, direction. Parce que, pourquoi pas... Attends, je vais essayer de récupérer un maximum de piécettes. Même si c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais, c'est très très particulier au niveau de la conduite. Deuxième tour. Ouais, tac. Et c'est la victoire. T'es bon là? Ouais. Ça va pas le faire. Troisième tour, c'est parti. Je suis pas trop d'accord, mais enfin, on n'a pas trop le choix. Waouh! Mais comment il fait pour aller aussi vite? Il a activé les nitros. Oula! Papa! C'est bon, je vais bien. Ah putain! Chérie, va à l'atelier, s'il te plaît. Ramène-moi 2 clés à molette de 9 et 13 mm et un marteau. D'accord. C'est où? Je ne sais pas où c'est, papa. Oula. Non, c'est bon. Je pensais que j'allais tomber en panne. Est-ce que ce serait pas ici? Ah. Waouh! Elle est à toi? Oui, t'es qui? Mirko, et ta bécane, elle est ridicule! Comment ça, elle est ridicule, ma bécane? Ridicule? Et je suis sûr que t'en as jamais vu une comme ça! Elle roulerait même pas diverse! Je sais pas ce que c'est. 10! Elle a un réservoir de 4 litres! Elle pourrait en rouler 50, mec! C'est ça, ouais!
ce catin de ferraille. Allez, laisse-moi l'essayer. Non mais Mirko, cherche pas là, t'es jaloux. Non, tu sais combien ça coûte? Du calme, je ferai attention, juste un tour. Mais non, mais... Il va te la voler. Ou pire, il va la casser. Ouais, bah oui, bah c'est ça, hein. Le temps passe et le mec ne revient pas. La bonne poire. Et sinon, les outils pour ton père, ouais, non? Bah tenez. Are you all right? I'm sorry, can I take a look, please? Oh, there's nothing to look at. You better give me an injection. Oh my God. I'm afraid this will happen. If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God? Great. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Whoa. What do you mean you talk to God? Et là, j'ai l'impression que c'est le passage de la démo. You've seen my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan, do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. But remember the gospel. The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. He who had been murdering and stealing but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see. To see one repentant sinner than, well, 100,000 righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards, the past, the present, the future. Who? God, who else? I was lying there, about to die. And a sister, just like you, brought me some water in this mug. And I was drinking and I saw ripples in the water, little round waves, and heard a whisper, so I drank, and... You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's not the point.
I'll show you when we get there. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. A station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of verses. I won't be able to drag you around with no steam. Maybe we should go around. A nun and an officer? Who cares? Who the fuck would do this? It's as if they blocked the passage on purpose. The brake is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. It won't fucking budge. Non mais c'est mort, hein. Tu ne peux rien faire dans ton état. Cherche pas. Ouais. Comme on dit, et comme je dis très souvent, qui ne tente rien n'a rien. Donc, bah écoutez, on va essayer de faire ça vite fait, bien fait. Sachant qu'on a déjà fait la séquence, il n'y a pas besoin de... Moi je pourrais dire de partir dans de l'exploration totale. Même si c'est ce qu'on va faire. Ouais. Très très sympa ces angles. Voilà. Allez, pas le temps de niaiser dans cette baraque. Mets ta torche, enfin ta torche, ta lanterne. Boubili babap, qu'est-ce que nous avons là? Des champignons, de l'ail, encore des champignons. Ça c'est un truc de distillerie, comme dans Red Dead. Tiens là. Bah ouais, on va partir là. Non, je peux pas aller plus loin. Ensuite. Ah. La vie du dévoué Barthélemy. Saint Barthélemy le reclus était si doux et si pieux que même les animaux sauvages n'avaient pas peur de lui. Il nourrissait les oiseaux, les écureuils et les serpents. Un ours venait même de temps en temps déguster sa confiture de fraises des bois. Un jour, une dispute éclata entre lui et l'ours, sans qu'il parvienne à la résoudre par la parole. Pris de colère, Barthélemy frappa l'ours de sa hache. Voyant qu'il n'y avait... Voilà, voyant ce qu'il avait fait, Barthélemy tomba à terre et fondit en larmes, implorant le pardon de Dieu et de l'ours. Oui, maintenant. C'est bien pourri là ce qu'il y a dans le coffre. On va refermer la porte. Voilà, fermeture de porte automatique. Par là. Non, c'est mort. Voilà, on va courir un peu. Not yet. Ouais, ouais, ouais. Et tout doudout, oula! Ah mais je me rappelais plus de ça là, oulala! On essaye de compenser. La vie de Saint Jean. Un jour, le vénérable Jean tomba dans une fosse. Étant un moine, doux et craignant Dieu, il resta dans la fosse avec humilité.
Le troisième jour, Jean douta de lui-même. Avait-il, par lâcheté, confondu l'épreuve du Seigneur et sa volonté? Devrait-il rester au fond de cette fosse, dans sa propre saleté, ou sortir des ténèbres pour s'élever vers la lumière? Jean décida alors de prier Dieu, qui lui donna immédiatement un signe. Une branche d'épicéa se pencha dans la fosse. Jean saisit la branche et remonta à la surface. Après avoir réalisé que, dans son orgueil, il avait été tenté par les démons, Jean se mit à pleurer. Terrifié, il sauta à nouveau dans la fosse et pria Dieu de lui pardonner. Dieu pardonna à Jean et lui accorda de nombreux dons spirituels. Fermé. Alors, là... Là. Est-ce que je peux descendre? Maybe there's something in that shed. Ah oui, d'accord. Attends, on verra ça après. Fermé. Là aussi. Avec l'échelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tac. Est-ce que si je mets ça là? Tenez, ouais, je pense que ça va être good. Bingo! Bingo, bingo, bongo! I've missed this smell. Clé! Fragment d'icône pliable. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Fils de Dieu, pardonne notre malice. Saint-Esprit, visite et guérit nos infirmités. So? Found a wrench. Give it to me. Attends. Dos minutos. Me v'là. Ah oui, non. Just a dog. Calm down. I hate them. Ouais, un gros chien. Quiet, quiet, little doggy. We won't hurt you. You're crazy. Run. Cassos! Dépêche-toi, Indica! T'es à fond ou quoi, là? You know, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? It would have been useful. I mean, girl, I would never. Oh, shit! Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away?
That's a good question. Here's your answer. Here. Kudets, 20 mars. Temple de Jean de Damas, Spavzov. Le seul remède rationnel à la stérilité, au manque de sobriété et à l'infidélité et autres complications physiques et afflictions de l'âme. The Kudets. Mm-hmm. Yeah, exactly. Come on. I don't understand. So God had enough power only to stop the rotting, but to heal you completely, he needed some kind of tool. It's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, look, it has nothing to do with my arm. It's about the path we've been given, and whether to follow it or not, it's up to us. What do I have to do with it? So, possessed people are taken to the Kudets. Everybody is. Do I look possessed to you? No, not you. All right, let's get out of here. Hoist me up. Me hoist you up? Yes, you. You won't be able to pull me up from up there. Il a retrouvé une certaine vigueur, le gars. Are you alive? Ilya. Yeah. All right. Yeah. What's going on? Damn. Bah alors, tu réponds ou quoi? Come on. Ah, fucking. Punaise. Qu'est-ce qu'on a là? Hey, come on. Ah, super. Attends, qu'est-ce qu'on a par ici? Oula. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. On est au bord d'un précipice, là. C'est le vide en dessous. On y voit tellement rien, même avec la lanterne. Of course it wasn't a coincidence, and now Indica realized it too. She had heard about the Kudets and its miracles, but right now, in Spasov, and Ilya, meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? No. One way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter. I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is a greater sin than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins, and since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is 10 times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at 1,000 letters. That would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist is
is better than a murderer, right? You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not do it. Have anything to say. The abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Defrocked her? How did that happen? Even if Il nous a tenté. Tikon had knocked her up, but you. Mais du coup, c'était qui quoi? You got pushed out of your house and ah, then Indica. Out of the monastery. After many fell among thieves and was wounded, so have I also fallen through my sins and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing if not to thee, the compassionate Samaritan? Yeah, Daddy's gonna send another postcard for it. First thou may keep wisdom, hast had compassion on us. Bouge pas, moi, je vais passer par là. Non, je peux pas passer par là parce que c'est trop haut. Donc, schlack. Schlack. Yes. And now I cry to thee as the prodigal I have sinned before thee, O merciful Father. You don't even have anything. Let them see grace, for who can tell of thy mighty works? Oh. Turned out just as written. Now I have come unto thee, my Lord and God, as sinful. Moi, je vais faire maintenant. Having the boldness to look up into the heights of heaven because of the multitude of my transgressions. But you. As a disciple of the Lord, O just one, thou hast received the gospel. As a fault, thou dost raise up the paralytic, O Lord. You were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Yeah, Daddy's gonna send another postcard for you. I have actually forgotten my glory over it. Return. I was wasted with the echoing this barrier. As a disciple of the Lord, O just one, thou hast received the gospel. Non, là, as a martyr, thou art. Many options. Faut que je monte. Well done, Bob. Every man fell among thieves and was wounded, so have I also fallen through my sins, and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? But... turned out. Now I have come unto thee, my Lord. Defrocked her? How did... And how I cry to thee as the prodigal I have sinned before thee, O merciful. He can't have not... As a fault thou dost raise up the paralytic, O Lord. Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach. Monastery! Bah alors. And if, by chance, you were to kill someone and... I've actually forgotten my glory, O Father, and among sinners I... Comment faire pour passer? Sorry, she's not here anymore. Ah, ça y est. Bring this baron of good deeds, but I beseech thee, O Lord, pour out upon me a drop. Well done, Barbara. Magnifique. Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach. The abbess knows you inside out, so everything turned out. Now I have come to thee, my Lord and God, a sinful and burdened woman. Enfin. Defrocked her? How did that happen? Ah, t'es là, mec. La forme. Where's the dog? Good question. C'est cassé. I haven't heard it for a while. Listen, I'll help you get to Spasov. Mais c'était écrit quoi sur la lettre? Indica? Dis-le nous. Somehow, Indica was convinced that the Kudiets was going to solve all of her problems. That soon the voice in her head would disappear. And she would return to the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone's love. She... Le sauveur imbrûlé.
une preuve supplémentaire du pouvoir miraculeux de la grâce de Dieu. Bien que le feu ait tout détruit dans la maison, l'icône du sauveur est restée intacte. Thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. I figured out what this place is. This is Denisovka, the paint factory. Martha told me about it. She's our iconographer. They make yellow paint in that shed. Where is everyone? There was an explosion. They say everyone was evacuated in one day. Americans, I guess. Very likely. Or the English. Panagia. Saint Christophe est issu d'une tribu sauvage de Marmaricae. Ses membres à tête de loup étaient extrêmement grands et se comportaient souvent de manière terrifiante. Cela ne l'a pas empêché de prêter la foi, la foi chrétienne, d'accepter le baptême et de mourir en martyr. Ah voilà, j'allais dire la texture elle est dégueulasse, mais là c'est beaucoup mieux. Allume-moi ça. Qu'est-ce que nous avons dans cette bicoque ? Ah, mais mets-toi bien. C'est bien garni, hein. Il y a un petit peu de tableau. Juste un petit peu. La vie du saint métropolite Sinuste. Un jour, un démon prit possession des cheveux du saint métropolite Sinuste. Ses cheveux commencèrent à se dresser sur sa tête comme des poils de balai au moment où il s'y attendait le moins. Pendant ses offices, la mitre de Sinuste se soulevait, effrayant les paroissiens. Il avait beau prier, le démon ne le quittait pas. Un jour, Sinuste fit deux trous dans sa mitre et l'arracha de sa tête. Ah ouais, avec une ficelle si serrée que lorsqu'il commença la liturgie, au lieu de soulever la mitre, ses cheveux s'enfoncèrent dans sa tête. Depuis ce jour, Sinuste est devenu doux et peu loquace, si bien que le démon dut chercher un autre hôte. C'est ainsi que Dieu punit ce démon. Donc là, on est à 1570 sur 1630, d'accord. Tiens là, on a des tableaux. Ouais, mais je peux pas viser. Non, 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 non. C'est dommage. Ouais.
c'est fermé. Ah oui, d'accord, attends. Je reviens, mec. Bon, bah, si tu veux me suivre, tu fais comme tu veux. Parce que je sais où aller. Mais du coup, je veux voir un petit peu ce qu'il y a de ce côté-ci. We can only pass through the dam. Ouais, tu vois. Par là, c'est Keblo. Demi-tour, allez, hop hop hop. T'as voulu me suivre, maintenant va falloir tenir la cadence. Where do we go now? Stairs. There should be a station behind the windmill. Non, je peux pas ouvrir la porte. Ouais, je me rappelle, c'est par là. Va falloir jouer avec la physique. Donc là, tu vois, on se met ici. Ça le fait lever. Et maintenant, encore, 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 et boum! Won't work with me. Wrong way. I won't make it. Hold on. We'll think of something. Je peux rien faire. Mais en face. Nickel. Pili papa, prends bien ton temps. Ah oui, t'as raison. D'un autre côté, t'as raison. Faudrait pas que tu te plantes et que tu tombes à la flotte, hein. T'attends quoi? Le dégel? Ah mais attends, il faut que je redescende là. Bien. Je crois que oui. Non. Oui. Non. Bah alors. Ah mais quel couillon. Voilà. C'est good. On continue. Standing around. How long can dogs stay underwater, huh? I don't know. I'd wait for a couple of hours, just to be sure. The stairs are broken. We'll have to go through the mill. Bouge pas. Ah, mais te bloque pas. Je voulais en avoir le cœur net, mais il y a que dalle. Excuse-moi. How beautiful. We had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. They look so lifelike. What? He was like that. Un artiste qui faisait des œuvres à base de merde. Cool. He got stabbed. Because of the stench. No. He was drawing on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed because. Well, it's against the code. So where do we go now? The elevator.
J'aurais cru que la merde aurait moins senti par grand froid. Pour moi, la merde, ça a une odeur plus forte quand il fait chaud, pas quand il fait hyper froid. Planetary gear set. Bah, tu me diras, j'ai jamais essayé, hein, donc bon. I see. It doesn't fucking work. Nothing works here right now. What's the hold up? C'est bon. J'ai le cylindre. Là, c'est pété. It's a cotter, a safeguard. It breaks when there's an overload. To protect the important parts of the engine. I see. Bah tiens. Ouais. Celui-là était brisé. It works. Down. I can't go down. Something's in the way. Attends, bouge pas. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Par là, c'est pété. Ben alors? Forcément quelque chose à faire. Comment t'es monté, toi? Ne t'arrête pas. Non. Non. Go, 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 go. Je passe par là. Ouais. On ne se retourne pas, on n'a pas le temps. Yes. Merde. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Du premier coup. Sorry. Sorry.
deserved it. It's bad. It's sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. And that dog, it's humans left. Stop feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy as possible. Remember that one time when Georgie... That's different. He needed to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog. But how come humans can never do without divine or devilish intervention? Finally, the station. Does a dog have a soul? Dogs adore their masters. Is that even possible without a soul? Does one need a soul to feel love? Is it possible to love without a body? La résurrection du Christ. Jésus-Christ, toi qui t'es élevé parmi les morts et qui as donné vie à ce monde, nous avons été témoins de ta résurrection, notre Seigneur. What remains if you deprive a dog of a body? How can it love something it can't hear or sniff? How can it remember someone it loves if it loses its brain with its memories? In a world without bones, cold, procreation, beautiful women, rich men, bodies, basically, passion, kindness, love. Can any of it exist without the body? For a dog. What? Yes, for a dog. Je croyais qu'on pouvait descendre, mais pas du tout. Donc là, ça y est, on a dépassé le niveau de l'animo. Là, c'est de la découverte totale. Ah non. Crane could move it. Yet. Oula. Attends, on va commencer par ça. If this thing still works, it's a miracle. How can I detach the load?
gotta figure it out. Why figure it out? It works anyway, right? Look, there's a platform on the other side. Tout à fait, oui. Ah ouais, d'accord. What are you doing? Non, attends. Si je fais ça, ça marche. When's the next train? What if it's tomorrow? The station must have the schedule. What's the point? I don't think it's going to stop here. So what do we do? Have you read Mark Twain? Tom Sawyer? Yes. Oh, là-bas. So... I like it. Me too. Watch it. Ah bah ça l'a fait. J'aurais cru que ça aurait été un poil plus compliqué. Non, je peux pas aller sur le tapis roulant. That one. That one. Let's jump! What? Jump! Oh! Your ideas are so strange for a nun. Those aren't my ideas. I mean, I didn't choose the monastery life. Were you sent there against your will or something? Not against my will. I mean, when you're 15, the monastery isn't really a dream destination. But there was no other way. Sometimes there are circumstances. You have a choice with a monastery or... Circumstances? You were 15. But now you're like an angel of God, even. I know you're black all over. Your clothes are black. Fallen as far as not I am. Anything else? Fallen? How? Yellow ticket or something? What? I've only known one. Have you been married? No, never. Why am I even explaining myself to you? Va te coucher, demain est un grand jour. Ça va, Yevich va venir nous faire une demande officielle. Regarde, c'est une nuit étoilée, mais une étoile manque à l'appel. Je t'attends sur le toit. Ouais, je suis mort. Je suis remords. Ouais, je suis mort. Ah, mais merde. Vite. Oh mince. Oui. Ah non. J'y ai cru. Attends. Mince. Tac. Quoi?
Mais pourquoi? Super. Là, ça va être compliqué en fait. Attends. Ah, punaise! Vas-y, suicide-toi. Ah, nickel. J'ai récupéré une piécette au passage. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non! Est-ce que je peux courir? Non. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Voilà! Ah mais non! Ah ouf! Toi? Ouais, ça va. Eh, je connais pas de ça va. Ah. J'aurais dû m'en douter. Il manque une étoile. Super ringard. Où est ma bécane? Écoute, il s'est passé quelque chose. Tu vas pas me croire. Voleur! Quenard! C'est quoi cette mélodie? C'est moi qui l'ai écrite. Tu mens encore? Non, je l'ai écrite ce soir où je t'ai rencontré. Moi, je pense que je vais m'arrêter là, hein? Retour au menu principal, yes! On fera la suite, bien sûr, dès demain, en tout cas. Moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On aura eu un peu d'inédit, hein, si je puis dire, pour vous qui aviez déjà vu la démo. On a eu déjà le début de la vidéo, où jusqu'au moment où on s'est pété la gueule, c'était du tout frais, du tout nouveau. Et la fin, où pareil, là, on était dans la découverte totale. On a eu à peu près une grosse demi-heure, je pense, ouais, on peut dire ça, une grosse demi-heure de séquences, excuse-moi, déjà connues. Mais c'était cool. Même de refaire la séquence, c'était cool, parce que ça a permis de revoir tout ce qu'on a pu traverser. C'était vraiment hyper bien fait, cette phase avec le chien, là, le chien qui ne ressemble pas du tout à un chien, il ressemble à un loup, et encore à un loup hyper chelou. On dirait qu'il était un peu démoniaque, va savoir. Mais en tout cas, ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Désolé, hein, pour les quelques bafouillements ici et là, hein. Des fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et là, c'était un jour sans. J'ai essayé de faire du mieux que je peux pour ne pas trop, voilà. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère vous avoir avec moi pour la suite dès demain. Vous me lâcherez votre avis déjà dans les commentaires pour savoir un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Et bien sûr, vous n'hésiterez surtout pas à lâcher un pouce en l'air avant de partir. Mais pas que, parce que n'oubliez pas, vous pouvez également partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous le faites, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Ciao, bye bye.